voici la vidéo règle de Mysterium Park, un jeu de déduction et de communication pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu d'Oleksandr Nevsky et Oleg Sidorenko, édité chez Libellud. Au niveau du matériel, vous allez tout d'abord trouver un plateau comme ceci avec des emplacements pour 9 cartes ainsi qu'une petite ampoule qui vous servira à comptabiliser les tours de jeu. Effectivement, vous allez la disposer à côté du 1. Alors, dans ce jeu coopératif, un des joueurs devra être désigné pour devenir le fantôme du directeur du parc. Et donc, ce joueur-là va devoir se placer d'un côté de la table, alors que tous les autres joueurs seront de l'autre côté, de façon à ce que les autres joueurs ne voient pas les cartes que le fantôme aura en main. Alors, le fantôme du directeur, il va prendre les petites cartes intrigue, et après avoir mélangé le paquet, il va en tirer 3 au hasard, qu'il va disposer face cachée devant lui. Ensuite, ces cartes-là seront remises dans la boîte, elles ne serviront plus pour la partie. Il va alors récupérer le petit socle, et il va tirer la première des cartes qu'il a sélectionnées parmi les 3, et la disposer comme ceci, de façon à pouvoir voir les couleurs qui sont dessinées sur cette petite carte, et qui indiquent des emplacements du plateau de jeu principal. Évidemment, il ne faut pas que les autres joueurs voient ce qui est dessiné sur cette carte. Il va aussi recevoir 3 jetons tickets Mysterium Park qu'il va pouvoir disposer par exemple devant lui, comme ceci. Puis il piochera les 7 premières cartes vision du paquet pour se constituer en fait sa main de départ qu'il pourra consulter, mais évidemment sans les montrer non plus aux autres joueurs. Vous trouverez ensuite des pions intuition sous la forme de boules de cristal dans 5 couleurs, ainsi que des jetons innocents. Vous allez donc les répartir et chaque joueur va pouvoir choisir sa couleur. Alors chaque joueur autre que le fantôme, hein, le fantôme lui n'a pas de jetons comme ça. Chaque joueur choisit donc sa couleur et récupère ses 2 pions qu'il va placer devant lui. Il ne doit alors plus vous rester qu'un pion témoin comme ceci qui sera disposé non loin du plateau de jeu. Tout ceci étant fait, nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans Mysterium Park, nous sommes dans un parc d'attractions étrange qui s'est installé dans une petite ville, à Derry, et malheureusement, le directeur du parc a disparu, il a été assassiné. Les joueurs sont donc des médiums, pour ceux qui vont avoir ces rôles-là, et ils vont essayer de s'entraider pour découvrir le fin mot de l'histoire, savoir qui a tué le directeur et dans quel lieu du parc ça s'est fait. Ils vont donc au fur et à mesure être en contact avec un esprit, le fantôme du directeur, qui va leur envoyer des visions pour leur faire trouver quels sont les personnages qui sont innocents et à la fin du jeu identifier le coupable. Alors pour débuter la première manche, nous allons utiliser les cartes personnages, celles qui ont ce dos là. On va, après les avoir mélangés, faire apparaître 9 personnages sur la table. Effectivement, chacune des cartes représente comme ceci un personnage ainsi que différents éléments qui sont dessinés sur la carte. Et on va ainsi remplir le plateau avec 9 cartes de personnages. Lorsque l'on aura fait ceci, les cartes personnages supplémentaires seront remises dans la boîte. Elles ne seront pas utilisées pour cette partie. Pour le déroulement, ensuite, le jeu va se dérouler en 3 manches, lors desquelles les joueurs vont devoir identifier à quel personnage ils sont chacun associés, en rapport avec la petite carte qui a été tirée par le médium. Ensuite, il y aura une deuxième manche où ils devront identifier le lieu qui leur est associé. Et donc, tout ceci correspondra aux innocents qui n'ont pas commis le crime. Effectivement, à la fin de la manche, il nous restera 3 suspects, 3 lieux, et il faudra ensuite identifier quel est le bon suspect avec le lieu correspondant pour que l'on remporte la partie tous ensemble. Effectivement, le joueur fantôme aide de son mieux les joueurs médiums pour que l'on gagne à l'issue des 6 tours de jeu. Alors effectivement, grâce à la carte intrigue qu'il a tirée au hasard, le fantôme sait à quel personnage est associé quelle couleur. Et il va donc devoir faire deviner à chacun des joueurs autour de la table son personnage qui se trouve quelque part sur le plateau. Donc par exemple, pour le joueur rouge, je sais que je devrais lui faire deviner cette carte-là.
Évidemment, je ne montre ceci à personne. Si vous jouez à moins de 6, évidemment, il ne faudra faire deviner que les personnages correspondant aux couleurs qui jouent. Et donc, les autres, ce ne sera pas nécessaire de les faire. Alors, pour communiquer, le fantôme va devoir utiliser 7 cartes qu'il a piochées sur le paquet de cartes vision. Et ces cartes présentent des dessins étranges, avec plusieurs éléments dessinés dessus. Et il va falloir qu'il arrive à faire des relations entre les dessins des cartes qu'il a en main, avec les dessins qui se trouvent sur les cartes des personnages, pour envoyer des visions à ces médiums. Dans cet exemple, je sais que je vais devoir faire deviner le garde, je vais devoir faire deviner le magicien, l'espèce de clown, le lanceur de couteau et la Rocket Woman qui est dessinée ici. Alors, en fonction des cartes qu'il a en main et des relations qu'il arrive à faire, il peut choisir de commencer par n'importe quel médium. C'est à lui de choisir ce qui l'arrange. Donc là, par exemple, j'aurais peut-être plutôt des cartes qui me permettraient avec autant de cartes que je veux. Je peux utiliser n'importe quel nombre de cartes pour les donner à un médium et l'aider à deviner quel est son personnage. Donc là, par exemple, avec cette carte représentant un avion et puis celle-ci représentant des choses qui volent, je pourrais me dire, ah ben tiens, je vais essayer de faire deviner ce personnage-là. Ce personnage-là correspond au joueur violet, c'est donc à lui que je vais devoir transmettre cette vision. Le médium n'a pas le droit de parler, il ne peut que donner une ou plusieurs cartes qui correspondent à ce personnage, au joueur en question. Et donc il passe ces cartes et il va tout simplement les donner face visible à ce joueur. Et tous les médiums vont avoir le droit de discuter ensemble pour essayer de s'entraider à trouver quel est leur personnage. Pendant que les médiums commencent à discuter entre eux, eh bien, le fantôme va tout simplement compléter sa carte pour à nouveau en avoir 7 en main. Comme j'ai donné 2 cartes, là j'en repioche 2 et je réfléchis à maintenant quel autre personnage je peux faire deviner à un autre médium. Je pourrais ici, par exemple, décider de donner une seule carte avec des bonhommes qui sont en bleu de travail parce que ça me rappelle le garde et donc je vois que le rouge correspond à ce personnage-là, donc je lui donne sa carte vision, je repioche immédiatement une carte et puis je fais une autre vision pour un autre médium. Alors, donner des visions avec les 7 cartes que l'on a seulement en main à chaque tour n'est pas toujours très simple. C'est pourquoi, de temps en temps, on peut éventuellement se retrouver bloqué en tant que fantôme. Je peux donc utiliser un des 3 tickets spéciaux qui m'ont été attribués en début de partie en le remettant dans la boîte et pour échanger des cartes de ma main, dire ben, par exemple toutes celles-ci ne m'arrangent pas, voilà, je peux en défausser par exemple 5, mais je peux défausser l'intégralité de ma main si je le souhaite, pour repiocher le même nombre de cartes sur le dessus du paquet et ainsi changer mes possibilités de donner des indices aux joueurs. Attention cependant, je n'ai que 3 tickets pour la durée de la partie entière. Il faudra donc décider au bon moment de faire ceci, même si ça peut être comme ceci en cours de jeu. Et la manche se poursuit ainsi jusqu'à ce que chaque joueur ait reçu ses visions par rapport à son personnage. Alors attention pour le fantôme, il a le droit évidemment d'écouter ce que les médiums se racontent les uns les autres, mais il ne doit pas réagir du tout. Ne rien dire par rapport à ce qu'ils disent, et même pas avoir des réactions du visage. Donc c'est un rôle un peu particulier où il doit essayer d'être le plus discret possible, car il ne peut communiquer qu'à l'aide des cartes vision qu'il donne. Alors ensuite, les joueurs vont devoir se décider et poser leur pion intuition sur le personnage du jeu qu'ils pensent être le leur. Évidemment, ils ont le droit de discuter, de changer d'avis en fonction des choses qui sont faites par les joueurs. Donc là, bah tiens, du bleu, ouais, je pense que c'est ça. Moi, un avion, ça me paraît normal que ça soit ici. Moi, oh, j'ai un chapeau, il y a ce personnage-là qui a un chapeau, donc ça doit être ici. Voilà. Il peut arriver que 2 joueurs ne soient pas d'accord et décident de choisir le même personnage, c'est possible, mais forcément un des 2 va se tromper si vous faites ça. Donc essayez d'éviter plutôt, et puis de choisir d'autres endroits du plateau de jeu. Voilà.
Alors, une fois que tout le monde pense avoir trouvé son personnage, eh bien, il signale aux fantômes que c'est bon pour eux et qu'on passe à la résolution des emplacements qui ont été faits. Alors, premièrement, le fantôme va regarder si quelqu'un s'est placé sur l'emplacement du témoin, c'est-à-dire l'emplacement de sa carte où il y a cette espèce de signe avec un œil de dessiné. Si c'est le cas, là par exemple c'est le cas, eh bien il devra signaler que les joueurs ont trouvé le médium en premier, avant même de dire si les autres ont juste. Il devra dire: ah, vous avez trouvé en fait l'emplacement du témoin, et donc le témoin c'est celui-ci, et il est immédiatement retiré du jeu. On peut le remettre dans la boîte et à la place en mettre le petit jeton spécial témoin. À partir de là, s'il y a un ou plusieurs joueurs qui étaient sur cette tuile, eh bien ceux-ci vont pouvoir rechoisir immédiatement un nouveau personnage, puisque effectivement c'est pas celui-là qui correspondait à leur vision. Donc en fait, ce joueur doit décider de se placer à un autre endroit, et parfois ça peut refaire une discussion aussi avec d'autres joueurs en disant: bah, tiens, bah, du coup c'est celui-là, je pense que le mien. Ah ouais, bah, alors moi je me replace ailleurs. À ce moment-là, voilà, les joueurs ont le droit gratuitement de se redéplacer sur un autre endroit du jeu. Ensuite, quand les joueurs ont à nouveau choisi un personnage, eh bien, le fantôme va pouvoir passer à la révélation. Alors, de même, hein, si personne ne s'est placé sur la carte du témoin, eh bien, il commence directement par là, en disant aux joueurs un par un: bah, toi, c'est juste, par exemple, ou c'est faux. Si c'est juste, à ce moment-là, le joueur va tout simplement récupérer son pion intuition. On va défausser le personnage, qui est donc un innocent, et à la place de ce personnage, on va mettre le jeton du joueur correspondant pour indiquer qu'il a été trouvé. Dans ce cas-là, les cartes vision de ce personnage vont être aussi défaussées définitivement. En revanche, si le joueur s'est trompé et ne s'est pas placé sur le bon personnage, eh bien il va juste récupérer son pion intuition, mais il va garder ses cartes de vision, car ça va lui servir sur le tour suivant pour continuer à essayer d'identifier son personnage. Lorsque ceci est fait pour tous les médiums, eh bien on avance tout simplement le marqueur d'une case pour comptabiliser les tours de jeu. Et ensuite, soit tout le monde a trouvé son personnage et on va passer à la manche 2, soit on va continuer sur la manche 1 jusqu'à ce que chaque personnage ait bien trouvé son... Enfin, chaque joueur ait bien trouvé son personnage. Dans cet exemple, donc, il n'y a qu'un seul joueur qui n'a pas trouvé son personnage. Eh bien, sur la manche suivante, le joueur va à nouveau pouvoir donner une ou plusieurs cartes supplémentaires par rapport à celles qu'il avait eues lors du premier tour pour aider ce personnage à le trouver. S'il y en a plusieurs qui n'ont pas trouvé, il va devoir refaire comme sur la première manche et donner une ou plusieurs cartes à chacun des joueurs qui n'a pas encore trouvé son personnage. Évidemment, les joueurs peuvent donc s'entraider et rediscuter avant que le joueur choisisse le personnage de son choix parmi ceux restants. Évidemment, il avait déjà dit que c'était celui-là, ben c'est pas celui-là, donc c'est forcément qu'un des trois restants, donc il essaye de choisir le bon. Et puis ensuite, on repasse à la résolution. Alors, si jamais il se retrompe encore une fois, eh bien, il reprendra son pion et puis il faudra recommencer une nouvelle phase et donc perdre encore un tour. Ou sinon, s'il réussit à le trouver, donc là par exemple, imaginons que c'est le cas, de la même façon, il sera défaussé, hop, ainsi que toutes les cartes de ce joueur. Et nous serons prêts alors à passer à la manche 2. On avancera évidemment quand même le marqueur de tour. Et à ce moment-là, le médium va récupérer les personnages des cases vides qui sont dessinées sur sa carte. Donc là, quand on joue à 6 joueurs, c'est-à-dire au maximum, de toute façon, il restera soit 3 cartes, soit 4 cartes si la carte témoin n'a pas été trouvée par les joueurs. Mais à ce moment-là, donc, on défausse toutes les autres cartes. Et évidemment, s'il y a d'autres, si on jouait à moins, ben à ce moment-là, il y a plus de personnages sur le jeu. Il ne va récupérer que celles qui correspondent aux cases vides. Donc celle-ci est défaussée. Et par contre, les trois personnages restants, eh bien, il va les prendre, le fantôme, et se les disposer à côté du plateau de jeu sans les mélanger avec les autres, car effectivement, le coupable se trouve parmi ces trois cartes.
On peut alors passer à la deuxième manche. Chacun récupère évidemment son jeton innocent pour le remettre devant lui. Et cette fois-ci, nous allons mettre en place 9 lieux de la même façon que nous avons joué la première manche sur les 9 emplacements du plateau de jeu. Et on remet évidemment la case témoin de côté. Comme pour la manche 1, les cartes lieux supplémentaires sont remises dans la boîte et ne serviront pas pour cette partie. Et évidemment, le joueur fantôme va défausser la carte indice du de la première manche pour tirer la deuxième carte indice et se la placer. Ça change évidemment les emplacements des lieux correspondants de la même façon à chaque joueur autour de la table. Pour le reste, ça se déroule exactement pareil que pour la première manche. Il va aussi choisir des cartes à donner à chaque médium au fur et à mesure du jeu et toujours avec la même main, hein, entre les deux manches. Il n'a fait que compléter sa main à cette carte, mais s'il veut changer sa main, il sera obligé d'utiliser les tickets spéciaux Mysterium Park. Alors attention, pour gagner la partie, les joueurs vont devoir réaliser ces deux manches de découverte de leur personnage et de leur lieu avant que le jeton arrive à la fin du sixième tour. C'est-à-dire que si on est au sixième tour et qu'il donne encore des cartes, eh bien à l'issue de ce sixième et dernier tour, chacun des joueurs doit avoir identifié aussi son lieu. Si ce n'est pas le cas et qu'on aurait besoin d'un tour supplémentaire puisque des joueurs n'ont pas trouvé leur lieu, la partie s'arrête immédiatement et tous les joueurs ont perdu. En revanche, si les joueurs ont bien tous réussi à trouver leur personnage, eh bien à ce moment-là, nous allons pouvoir passer à la troisième et dernière manche du jeu pour identifier le coupable et le lieu du meurtre. Comme pour la première manche, le fantôme va récupérer les 3 cartes correspondant aux endroits où il n'y a rien de dessiné sur sa petite carte indice. Ça correspond aux 3 lieux potentiels où le meurtre a eu lieu. On défausse tout le reste, chacun récupère à nouveau son jeton. Hop, et nous allons mettre en place la manche finale de façon un peu particulière. Effectivement, le fantôme va récupérer les 3 cartes personnages identifiées lors de la première manche et il va les disposer chacun sous le 1, le 2 et le 3 dessinés sur le plateau. Et il va faire ensuite de même avec les lieux en les attribuant aussi comme ceci au hasard sous chacun des personnages. Ensuite, il va défausser la carte indice du deuxième tour et il va pouvoir piocher la troisième et dernière carte. Mais sur cette carte, seul le petit chiffre romain indiqué en haut et en bas de chaque carte va être important. Ici, c'est un 2 et ça va donc lui donner quel est le coupable et quel est le lieu du crime. Et donc ici, eh bien, ce sera par exemple le 2 et c'est donc cette colonne-là qu'il va devoir faire deviner aux joueurs. Alors la vision, puisqu'il va en faire qu'une seule pour cette dernière manche, est un petit peu particulière. Effectivement, à l'aide des 7 cartes qu'il a en main, il va en devoir en sélectionner une seule qui correspond au personnage indiqué sur sa carte, ainsi qu'une seule correspondant au lieu indiqué sur la même colonne. Alors, bien sûr, comme pour le reste du jeu, s'il lui reste des tickets, il peut encore utiliser des tickets pour se défausser d'une partie ou de toutes les cartes qu'il a en main pour en repiocher d'autres si elles ne correspondent pas du tout à une aide que ça pourrait lui donner pour cette sélection finale. Alors une fois cette sélection faite, donc là imaginons, il se disait oh, un serpent avec une main, ça fait quand même penser à la divinatrice, peut-être plus qu'à ces deux personnages, et puis ça, il y a un meuble, donc là c'est tout en bazar dans cette salle, donc je pense que ça correspondra bien. Donc une fois qu'il a sélectionné ses cartes, attention, il ne les montre pas immédiatement au joueur, il va les mettre face cachée, il va les mélanger sous la table, et ensuite les disposer au hasard, en vision, à tous les joueurs. Les médiums vont donc devoir se mettre d'accord sur un des 3 groupes par rapport à ces 2 cartes. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas quelle carte correspond au personnage et quelle carte correspond au lieu. Donc c'est à eux de tenter diverses interprétations et donc de discuter en général assez longuement pour se mettre d'accord sur un groupe. Ils doivent être d'accord à l'unanimité sur un des 3 groupes.
À ce moment-là, ils annoncent ensemble le chiffre correspondant au groupe qu'ils ont choisi, et soit ils trouvent le bon groupe et à ce moment-là, nous gagnons la partie tous ensemble, soit ils choisissent un mauvais groupe et nous perdons immédiatement la partie. La manche 3 se joue comme ceci sur un seul tour, il faut absolument qu'on y arrive. Voilà, j'en profite pour vous montrer un petit peu quelques-unes des illustrations du jeu qui sont assez magnifiques, hein, de Xavier Colette et le studio M81. Je ne sais pas qui a dessiné quoi. Hop là, là ils sont à l'envers. Voilà pour les personnages, un petit peu pour les lieux. Voilà, les cartes sont légèrement plus claires, j'ai l'impression, que dans le Mysterium de base. Et donc représente comme ça. Alors évidemment sur les lieux c'est beaucoup plus difficile à jouer que pour les personnages. Je vous indique tout de suite que la manche 2 est quand même beaucoup plus compliquée que la première, avec donc évidemment les cartes vision qui sont toujours aussi délirantes et bien dessinées sur différents thèmes qu'il vous faudra trouver en ayant des relations avec les autres. Et il y a vraiment des cartes magnifiques. Voilà. Alors bien sûr, si on peut jouer à 2 et à 3 joueurs avec les mêmes règles qu'ici, hein, c'est-à-dire juste découvrir un seul personnage, vous pouvez aussi décider de donner plusieurs jetons, enfin pions médiums à chaque joueur autour de la table quand vous n'êtes pas au maximum. Puisque de toute façon, vous pouvez même décider de jouer en fait avec tous les personnages, même si vous jouez à 2, et comme ça, le joueur médium devra placer chacun des personnages et on donnera des visions à chacun des pions. C'est aussi possible comme ça et ça rend le jeu un peu plus intéressant et évidemment un petit peu plus dur. Voilà donc pour Mysterium Park, vous l'aurez compris, un excellent petit jeu de déduction qui est donc inspiré du Mysterium classique, mais le Mysterium classique est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe, avec la découverte de personnages, de lieux, mais aussi d'objets du crime, ainsi que des pions de divination qui permettent d'avoir plus ou moins d'indices en fin de partie. Celui-ci est donc sur un format beaucoup plus court, vous en avez pour 20 minutes, une demi-heure de jeu pour y jouer et donc c'est beaucoup plus facile aussi au niveau de la taille de la boîte à emmener un peu partout. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règles. Au revoir.